Ce poème, je l'ai écrit en 1989, après 80. Après, c'est chaque année, même jour, je récitais ce poème. De temps en temps, avec les conférences, sinon c'est avec les amis, sinon c'est moi-même tout seul à la maison. En face au ciel, comme ça pour laisser le cœur et penser quelque chose profondément. Aujourd'hui, je suis avec vous partager mon petit poème. C'est pas très long, mais je pense très puissant, c'est très fort. J'espère. Un cœur, 老人的牙齿, 镶在车轮的肚皮上. 你还要说些什么？你还能说些什么？你为什么还要说？一个女孩的眼睛降落在红绿灯上，你还要看到什么？你为什么还要看到？月亮，你每天都从这里经过，你不发抖，你不羞愧，你不心酸，你为什么还从这里经过？ 雷雨，你在这里哭泣了千万次，你丢失了感情，你玩弄了自己，你出卖了眼睛，你为什么还在这里哭泣？你在那块方砖上留下了一口春风，从此你褪尽了旁观者的影子。 哪里是安宁和谐的花园，还是另一个漫长的闪电？哪里的苹果是黑色的，还是无色的？请告诉我，请告诉我，我死的是那么仓促，我死的是那么滑稽，我死的是那么无知，我死了，我死了，我死，我为什么死？我怎么死？我为什么死？我怎么死？我为什么死？我怎么死？我是人，我怎么是人？我怎么是？我怎么是？我算人？我怎么？我为什么是人？为什么是？我为什么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 
bâtons, les 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 bâtons. La rue perd. Ce que je voudrais dire surtout quand on écoute Ma De Chang, on ne peut plus dire que les Chinois ne veulent pas la liberté, n'est-ce pas? Et quand on voit le film et quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour survivre, pour passer dans un monde démocratique, on peut imaginer ce que les Chinois aujourd'hui ressentent d'être dans un régime de plus en plus dur, de plus en plus fermé, de plus en plus obtus, on peut dire, et aussi de plus en plus violent. Donc je crois que c'est très très important pour nous ici à Paris de témoigner, et tout à l'heure nous allons aussi témoigner pour tous ceux qui sont encore en prison maintenant. Je me permets de ne pas traduire parce que je pense que c'est une langue qui vient du cœur. C'est une langue imagée, mais je pense que dans le ton, dans l'intonation, vous avez compris l'essentiel de ce qu'il voulait dire. La liberté.